Hello, everybody. So, Mr. State Secretary, Excellencies, and ladies and gentlemen, I'm Agnès Arquestrol, the cultural attaché from the French Embassy and Deputy Director of Institut Français de Norvège. And I would like to warmly welcome and thank all the participants and partners with whom I collaborated these last 3 years. I look forward to meeting new potential partners, and I would like just to say a few words to share the goal of these 2 days of discussions and happenings. The perspective and the aim are clearly to increase and develop the cooperation between France and Norway on a political and operational level, and in our respective countries, and gladly also in projects of development in other countries. We currently run very successful projects, and I would like to officially thank all the professionals and artists I had the pleasure to work with. Whatever the differences of the political, cultural context, we are very often giving a lot of time to action and cooperation. And we believe that cultural diplomacy and cooperation is a permanent process of movement. Therefore, we choose to put this seminar under the label of under construction. And finally, to better understand our differences before they became obstacles and to use them as richness, we invite all of you to enjoy this modest initiative, to think and exchange about these concepts and for a better cooperation. So it's why we put think, cooperate, and transformation. And I hope we will find some transformation in the process. And now I would like to introduce Eric Oesheim, I hope I pronounce for once on the correct way, journalist, former correspondent of NRCO in Paris, founder of Primus Production, who will moderate this seminar. And I wish you all fruitful exchanges, and do not hesitate to contact me or Frédéric Remet, here on the first row, director of the Institut Français, and of course all the team of Institut Français during these 2 days. Have a nice time. Thank you, Agnès. It's quite rare that we sit down using really a lot of time to discuss the big ideas, discuss the concept of a political vision for the culture. The body day on in French, and what to say in Norwegian, kulturell tenketank. It has also been challenging to prepare this conference. Two countries, language challenges. No one has English as a native language, but everyone is supposed to speak English today, more or less. Language is important for the culture. I'm sure we will manage to understand each other, and we manage to, and also manage to express ourselves like we want with all our different accents. The French and the Norwegians are quite different. I lived 8 years in Paris. I have a French husband, so I know all about how it is. You know, Norwegian, going from A to B, straight line, you know. Let's go as quick as possible from A to B. You know, that's the Norwegian. And I will say the French are more like this. A to B, it's more about, you know, the process is as important as reaching the goal. So let's hope today, you know, a little bit more like this. We will try to merge these two lines, you know, going a little up, going a little backward, going a little down, and but I hope we will manage to go from A to B, maybe in a different way for both of us. Welcome to all of you. This morning, we start with the political scale. In the afternoon, we will go from the political level to a more operational level. This evening, it will be food, drinks, and culture in Kunstnernes Hus from 6 o'clock. And tomorrow morning, we will also try to open for new concrete perspective and visits of venue. But right now, Erik Poppe was supposed to open this conference. Unfortunately, last minute he had to cancel because of personal reasons.
but he has been so kind to send us a video. As most of you know, Erik Poppe is a Norwegian film director and screenwriter. During the last decade, he has become one of the most frequently awarded film directors from Scandinavia. He started his career as a photographer for the newspaper Verdens Gang and Reuters. And also for the French public, his Oslo trilogy, as well as Thousand Time Good Night and The King's Choice, have gained international recognition. So we are happy that Erik Poppe this morning sent us a little small film about the power of images and political awareness. Good morning, everyone. I want to create the world, not to retell it. When I make a film, I disturb. The meaning of art that does not have something to say, nothing to say beyond shock, I do not understand, not at all. For me, it's fraud and confused manifestations of a bourgeois art perception, an art cut off from everything else, their world, their contemporaries. I would not say that a work of art, a film, must speak specifically about the society to be a great movie. But if it does, it's got a greater chance to be a great movie. I will share my former French colleague Robert Bresson's philosophy. He said, "Make it visible that without you never would have been seen. We shall seduce, we must rebel, or we should stare up in people's narrow attitudes. Without my private involvement, my own flame burning, I cannot manage to arouse commitment, empathy, or action in the spectator. Man reacts on emotions and acts on the basis of emotions. He is letting himself control to a greater degree of emotions than his intellect. In the emotions, we experience a greater credibility, a sense of stronger identification and recognition. We rely more on our emotions than our intellect. That's just the fact. The idea of art is to present questions, but not to come up with all the answers. Louis Buñuel, he died in 1983, but he said, his work, about his work before he died, "What I want is for you not to like the film, but to protest. I would be sorry if it pleased you." Artists and storytellers, we who interpretate and communicate our history, will discuss and show who we as people are, who we as individuals is. We can easily be interpreted as an elitist group within our society, located way out on the left side of Norwegian politics, skeptical to collaborate with commerce or the big corporations, skeptical about everything down into our bones. We are easy to categorize, and the right wing on the political scene will remind people about how unrepresentative we are for the multitude of the Norwegian people. And I would like to remind you that the artist and the multitude are natural enemies. Our responsibility is to get people to see, to know, to experience. Those who see, those who understand, they realize. The people who realize, they can act. They can change the world into a better place for even more individuals. So, Robert Bresson, he was right. Our mission is to make it visible that without our eyes would never have been seen. We are not the ones handling out the answers, but pointing out the uncomfortable questions. It is our task to pinpoint the power, the arrogance, the disparity in society, the individual injustice, in politics, in ethics, in media. We should be like a thorn in the eye
which causes people to react to the disparity, ethical and moral anxiety, and get the people out there on the barricades. Can then the state, the administration, the political Norway modify art, modify us as artists? Can they be able to reduce us or depoliticize us? Can generous politicians with great contributions make us dependent on their favor, or politicians who conduct dramatic cuts in the culture budget, can they make us even more dependent on their favor for refitting us with the financial support that we just lost? Because artists and culture workers from most of the sectors within the field of culture are not free. We get funds from the public. And there is obviously a limit to how far artists or culture workers are willing to go in order to criticize those who funds us, those who feeds us. And that's the public and the political Norway. And there are limits to how far artists and culture workers are willing to go in order to criticize the media houses, newspapers, TV, broadcasters, bloggers, or websites, as they are so dependent on receiving their publicity and their positive attention. This is a democratic challenge. Can we actually be criticized for being far more servile or unfree than we should be as artists? Because art and culture manifestations cost more money than volunteer can meet? The stream of money flow shows us that the culture sector costs a lot. And where voluntary spirit is not enough, we are dependent on the public sector. The film has, as an example, still not reached its morality, its necessity, its ability. It costs too much. It's much less art than it could have been because it's so dependent. One can question whether this makes much of the culture and the vast majority of us as unfree lacquais. If a plurality of artists or culture workers fulfills its mandate in the society, have we just been made into a large mass of entertainment workers? So, winding it up. Is there today difficult to work with art and culture that tackle societal issues? I would argue no. Even if the terms are uneven and the media consumption changes radically day by day, the expand of artists and cultural expressionists will remain or grow, and until further notice, seen as a very potent actor and influence in the Norwegian democracy and the French. So, personally, do I believe films will change anyone's mind? At least I believe in trying to get people to think. The most painful thing is to believe that the audience will come to see the film and then forget it. So, I try to keep you stop forgetting. Enjoy the seminar, enjoy the rest of the speeches, and have a nice day. Thank you very much. Yeah, wise words from Erik Poppe there also at the end. We are happy to be here in this wonderful location. Aslak Sira Myhra, welcome. Come up to the stage. You are the general director of the National Library. And prior to this, you was the director of the House of Literature in Oslo, and also very active, a little bit less now than before, in the political debate, and also author of several books. So this floor is yours. Thank you very much, Erik. Excellencies, State Secretary, boss, as I also call you,
there are reasons why I'm more moderate politically now. Dear audience, it's a great honor to welcome you all to the National Library of Norway. And it's a particular honor to welcome you to this building that has for more than 100 years kept the history and the memory of the nation of Norway. In the deep walls underneath us and in the deep walls in Mo i Rana, the Norwegian history, the Norwegian public history is kept. All books ever published, all newspapers ever published, all films ever produced, all music ever produced, all photo postcards, even the train tables, they are all kept here underneath us. We keep the memory of a country. And the memory of a country is also the memory of its cultural policies and its politics in culture. So it's a great honor to host this seminar here in this building and to have you all as our guests. And I want to just make two small remarks before I leave the floor to the others. First of all, is culture politics? Is politics culture? And of course it is. But I want to point to something more than activism, that culture as political activism, because that we know and can recognize all the time when an artist, when filmmaker, when a writer has his or her agenda that they poses on us. But in the long run, it is not necessarily culture as political activism that forms our minds the most, but perhaps the fundament for identity that culture creates. Culture, in all its fashions, in all its manners, help us identify the world and ourselves in the world. It makes us understand the world in a particular manner. It points out, it highlights some parts and takes down others. And it creates a common understanding of how we see the world and how we see ourselves in that. And that is perhaps the most important political impact culture has, creating identity on an individual and a collective level. And then I want to point to another thing, and it's the connection between Norway and France. Because this is not just a seminar on politics, it is Institut de France holding it, and it's about also the Norwegian-French connection. And particularly in this aspect, Norway and France has a very strong connection. How? I want to use one example, women's liberation. I grew up reading books about how Norway changed from being a place where women's place were in the kitchen to becoming what it was today, and how this was done through struggle. Novels, short stories, poetry, films, journalism, all of this depicted it. And one of the most famous political authors of Norway from the 19th century, Alexander Kielland, wrote activistically, but also identity-forming books of what it was like to be a woman in the late 19th century. And what did he write? In all of Alexander Kielland's books in the late 19th century in Norway, there's only one woman who actually succeeds in becoming independent and happy. And this is the thoroughly political explanation. What does she do? She moves to Paris and gets a job, works independently. And if you read Kielland today, you can see that this is not only coincidental. This is actually Kielland telling us through all these books that in Norway, in the late 19th century, the only possibility for a woman to be free, independent, and alone is to move to Paris, to France. And it says something about the connection between the French cultural and political impact and the Norwegian radicalism, but also elite and also political movements at the time. And this is just one drop out of time, but you can find it in our past from the French Revolution until today. You'll find this connection. Particularly on the cultural field, we are connected through decades and centuries. So
I'm double proud to have you all here, because if we go down to the walls underneath us and look at the Norwegian cultural history, we will find Norway and France hand in hand in 200 years. Thank you very much. Good luck with your seminar. Thank you, Aslak, and thank you for letting us have this cultural symposium here. And as you know, this conference is an initiative from the French side. We are happy to welcome now the ambassador of France here in Oslo, Jean-François Daubel. Please come up. And you are a big consumer of culture. You know, I heard that the last year you have been there, you have been absolutely all over, from small underground Norwegian culture thing to more opera culture. So welcome. Monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, State Secretary, Excellencies, ladies and gentlemen, je voudrais commencer par dire combien je suis sensible au fait que ce débat, organisé par l'Institut français de Norvège, se déroule à la Bibliothèque nationale, lieu de patrimoine et d'histoire. Je remercie Aslak Sirre-Mireux, directeur de la Bibliothèque nationale, de nous accueillir généreusement pour cette journée, ainsi que tous nos partenaires norvégiens et particulièrement le ministère de la Culture norvégien pour leur contribution au bon déroulement de cet événement. I would like to start by saying how delighted I am that this debate, organized by Institut Français de Norvège, is taking place at the National Library, a place of history and heritage. I would like to thank Aslak Sirre-Mireux, director of the National Library, for generously welcoming us and all our Norwegian partners, especially the Norwegian Ministry of Culture, for their contribution and support to this event. Quoi de plus prometteur comme lieu pour débattre du rôle politique de la culture, de la place de cette dernière dans nos sociétés et des conséquences des actions conduites par l'État, les régions, les communes, les institutions culturelles, les artistes et les citoyens. What a suitable place to discuss the political value of culture, its role in our societies, and the consequences of the actions carried out by the state, regions, municipalities, cultural institutions, artists, and citizens. La France inscrit dans sa tradition sa passion du débat comme une forme de résistance aux vicissitudes, aux aléas de la vie politique, économique, sociale et culturelle. Aujourd'hui, nous espérons inviter nos partenaires de tous horizons à partager cette nécessité de débattre au moment où, dans de nombreux pays, la règle démocratique conduit ou va conduire les citoyens à faire des choix de société. Debating societal issues is a long-standing French tradition, and it's a way of handling a complex political, economic, social, and cultural life. Today, we are inviting our partners from all walks of life to share this need to debate when, in many countries, the democratic rule has led or will lead citizens to make important choices regarding their society.
Je remercie Anne Natalino, directrice générale de l'Institut français, de sa présence. Je salue particulièrement son initiative de la Nuit des idées, initiative lancée partout dans le monde au travers du réseau français à l'étranger. Ce dispositif permet de faire de la diplomatie culturelle l'instrument d'une coopération riche pour confronter nos idées, ouvrir de nouveaux champs d'innovation et mettre en perspective nos projets culturels pour une société capable d'accueillir et de faire vivre les cultures. I would like to thank Anne Natalino, Director General of the French Institute, for attending this symposium. I particularly welcome her initiative, La Nuit des Idées, an initiative spread throughout the world through the French network abroad, which has made cultural diplomacy an instrument of cooperation to confront our ideas, open new fields of innovation, and put our cultural projects into perspective for a more incisive and diverse society. Merci également à Bertrand Munin du ministère de la Culture en France d'être parmi nous pour échanger sur les nombreuses initiatives de soutien à la diffusion et à la création artistique. Thank you also to Bertrand Munin from the French Ministry of Culture for being here with us to discuss the numerous initiatives meant to support artistic distribution and creation. Je souhaite de riches échanges et espère que ce séminaire fera naître de nouvelles coopérations. I wish you enriching exchanges and I hope that this seminar will bring out new opportunities of cooperation. Je finirai par emprunter à Jean-Michel Ribes, ici présent, et que je salue, une phrase pour donner le ton de la journée. Je le cite. La meilleure façon de changer le monde, c'est de l'inventer. Finally, I would like to quote Jean-Michel Ribes, who is present here, in order to set the tone for the rest of the day. The best way of changing the world is to invent it. Merci, thank you, tous un tac. Thank you, Monsieur l'Ambassadeur. The Norwegian Minister of Culture was unfortunately stuck by in the fog in Trondheim this morning. I will not do any symbolic interpretation here, but we are very happy that you, on short notice, Bård Folke Fredriksen, could come as a and to have a speech. The floor is yours. You have also in Oslo been the vice mayor for culture as well as urbanism and city planning, so you know what you are speaking about. Thank you. Thank you. Dear Mr. Ambassador, distinguished guests, dear friends, I'm of course very happy to be here with you today. Our Minister of Culture is not so happy. Her plane this morning from her hometown of Trondheim is unfortunately delayed. Norway and France have a lot in common. We love the art. And amongst many other things, both countries have a long and strong tradition of governmental culture policy. Another field where we have met recently is on the handball court. We are both sports-loving people, and we appreciate handball in particular. The Norwegian national men's team is up and coming these days. Therefore, both the team and the Norwegian supporter, it was an honor to be up against the French hosts
in the finals this year. It was nerve-wracking to watch. The best team won at last. However, it was still a victory for our team to play in the final in Paris. This day is a celebration of the excellent cooperation between France and Norway in the field of arts and culture. Thanks to the French Institute in Oslo, we enjoy an interesting and highly relevant program of events throughout the year. We are also witnessing an other ever closer cooperation between French and Norwegian artists. They inspire each other and gain new perspectives. For many years, young Norwegian artists have went to France for their education, as my grandfather did, who was a sculptor, but he went nearly 100 years ago. I applaud this cooperation and hope to see many more examples of French and Norwegian cooperation in the future. This relationship makes the Norwegian field of culture more diverse. It also exposes our artists to new audience and markets. In other words, there are only benefits in this cooperation, and our creative industries have a big potential in meeting and cooperate. In the Norwegian Ministry of Culture, we have just started working on a comprehensive culture policy report to the Parliament. We must build our future policies on knowledge and broad discussions. We need to adjust to rapid technological development, changing demographics, and not least globalization. But even today, probably more than ever, are independent and free artists an important force and fundamental part of democracy. Ladies and gentlemen, I believe more cooperation and exchange of views is crucial in the time to come. In this respect, I think the relationship between France and Norway is an excellent example. I would like to thank you, Mr. Ambassador, and the French Institute in Oslo, not only for this initiative, but also for their excellent contribution to the cultural scene here in Norway. Also, a big thank to the National Librarian, Aslak Sira Myhre, for hosting this symposium. I wish you all a fruitful and interesting day. Thank you, Bård Folke Fredriksen. Now we will go to Paris. Our keynote speaker this morning is running the famous institution Théâtre du Rond-Point since 2002. Jean-Michel Ribes has been the director of this wonderful theater, where he promotes contemporary dramatic writing. At least one Norwegian play, as far as I know, has been put on the stage, The Garçon Impossible, made by Peter S. Rosenlund. Rib has written and directed more than 20 plays, among them the famous Théâtre sans animaux, which was awarded with the prize Molière for the best francophone playwright and the best comic play. He also made a number of made-for-TV movies, and his last cinema film was Les Brèves de Comptoir from 2014. And he has also published many books, and I also know that his mantle is filled up with awards. So, Jean-Michel Ribes, the floor is yours. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le secrétaire d'État, mesdames, messieurs, cher Kea Ostovani, Kea is my
one of my best assistant, one of my best assistant in France. She worked with me during 10 years, and now she lives, unfortunately for me, in Norway. She's a Norwegian now. Thank you. As you know, my name is Jean-Michel Ride, and as my Apennine accent will already have made clear, I am French. It's why this screen in English. Je suis auteur, metteur en scène, cinéaste, et je dirige, comme on l'a dit, depuis 15 ans, le Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, à Paris, théâtre uniquement dédié aux auteurs vivants. La phrase qu'on m'a demandé de commenter est « Une société sans culture est-elle possible ?» On sent bien qu'une réponse immédiatement affirmative est le rêve de nombreux gouvernements populistes et partis d'extrême droite qui envahissent peu à peu la planète, plongeant l'humanité dans les ténèbres de leur raisonnement simpliste, autoritaire, xénophobe, que la culture dérange. Avant d'aller plus loin, je souhaite examiner les termes que contient cette interrogation. Si la signification du mot « société » ne porte pas à confusion, tout le monde sait qu'il désigne un groupe d'individus, la plupart du temps très différents, se comprenant rarement entre eux ou lorsqu'ils éprouvent une affinité les uns envers les autres, leur activité préférée est de séduire la femme de leur meilleur ami, sans compter leur ego, pour le moins susceptible lorsqu'il n'est pas disproportionné. Mais cela, ils ont décidé de créer un État, voire une nation, où ils votent des lois qui leur permettent de s'affronter violemment selon des règles dites démocratiques, de mettre les méchants en prison et de protéger les hommes politiques d'y aller, en tout cas en France. C'est ce que certains appellent la civilisation. Venons-en maintenant au mot « culture ». Comme capitalisme, socialisme, politique et autres substantifs usés, le mot « culture », à force d'être mâchouillé par n'importe qui, utilisé pour désigner tout et son contraire, être l'alibi de gouvernement qui, une fois au pouvoir, l'abandonne, ou recouvrant des activités très éloignées de la création pour donner des lettres de noblesse à je ne sais quel marketing, le mot « culture » a perdu non seulement toute saveur, mais probablement aussi sa signification. Il peut même se révéler un vocable négatif, sans attrait. La culture apparaissant soudain comme une punition. Il est urgent d'inventer un mot séduisant, appétissant, pour nommer le meilleur du génie humain. Il est courant d'organiser des concours d'architecture pour redonner vie à des bâtiments délabrés. Pourquoi ne pas proposer à la population de concourir pour restaurer l'âme évaporée de la culture avec un nouvel intitulé? En attendant qu'on le découvre, et pour que la suite de mon propos soit à peu près claire, je propose de remplacer culture par art. Bien sûr, je sais que le mot art n'échappe pas lui aussi à quelques dérives sémantiques. On peut en effet considérer qu'arracher proprement une molaire est un art, mais il est tout de même rare de voir exposer un diagnostic dentaire à côté d'une vierge à l'enfant de Léonard de Vinci. Examinons donc les arguments des partisans d'une société sans art. L'une des premières raisons de vouloir supprimer toute aide à la création et aux artistes est que ce soutien à l'art grève le budget de l'État sans aucune contrepartie réelle pour le bien-être des citoyens. Construire un musée, un théâtre, financer l'aide à l'écriture, promouvoir des écoles de danse ou de cinéma, c'est autant d'autoroutes en moins, de policiers en moins, d'hôpitaux en moins, de trains en moins, mais peut-être aussi d'imbéciles en moins, mais hélas, ils ne le comptabilisent pas. D'autre part, l'argent des contribuables dépensé pour favoriser l'épanouissement de l'art est un luxe dont ne profitent soi-disant que les élites et ces bourgeois bohèmes qui sont le plus souvent un frein pour le développement économique du pays. Il s'agit de toutes ces personnes qui, comme le rappelait récemment l'un des porte-parole du Front National, parti d'extrême droite français, font semblant de s'émerveiller devant deux points rouges étalés sur une toile. Leur credo est que l'art est inutile et que seules les activités économiquement rentables ou les projets destinés à favoriser le commerce et l'industrie nationale doivent être financés par l'État,
pour la simple et bonne raison qu'ils sont rentables, c'est-à-dire utiles. Le poète, le peintre, le musicien, s'ils sont aussi indispensables que certains le prétendent, doivent, grâce à leur talent, se financer en eux-mêmes. Après tout, comme le rappelait un sénateur américain, John Wayne n'a jamais demandé de subvention. Et on mesure quel poète il était. C'est ce que vient de démontrer le très poétique président des États-Unis, Donald Trump, en proposant de supprimer tous les crédits du Front national pour les arts, NEA, pour les consacrer au budget de la défense, considérant qu'il est plus utile pour son pays d'acheter des canons que d'offrir des concerts gratuits aux populations défavorisées de l'Iowa ou de subventionner un théâtre pour enfants dans le Montana. De même, David Rachlin, maire populiste de Fréjus, ville du sud de la France, vient de faire évacuer un local de sa municipalité où avaient lieu des ateliers d'écriture et des cours d'art dramatique pour le transformer en entrepôt industriel, placardant aussitôt une pancarte sur la porte d'entrée où il est inscrit « Autrefois, ici, il y avait des fainéants, aujourd'hui, il y a des travailleurs ». À cette idéologie de l'utile concernant la destination de l'argent public vient s'ajouter la certitude démagogique qu'il faut offrir au peuple ce dont il est friand, à savoir des divertissements à consommer, de préférence en buvant de la bière avec ses copains qui reviennent de la chasse. Politique qu'avait bien compris l'empereur Néron, destiné à endormir le peuple de Rome en le gavant de réjouissances digestives. C'est la télévision en France qui se chargea majoritairement de cette mission, Panem et Circenses, en développant entre autres la télé-réalité, production destinée à narcissiser le téléspectateur moyen en le rendant spectateur de sa propre médiocrité, promue star du petit écran. Certains élus eurent à cœur d'appliquer ce programme sur le terrain, comme par exemple le maire de Roubaix, ville du nord de la France, qui supprima l'intégralité de la programmation du théâtre pour le remplacer par un concours de majorette. Cette vision obscène et dégradante du peuple considéré comme un troupeau d'individus gloutons, ne possédant ni cœur ni cerveau, mais simplement un estomac avide de spectacles cheeseburgers et de jouissances fast-food, et celle de tous ceux qui éteignent les uns après les autres les lumières que l'Europe avait enfin allumées pour sortir de l'obscurantisme de l'ancien régime. Autre avantage d'éradiquer l'art de la société est qu'il peut avoir une influence néfaste sur des esprits sensibles ou naturellement révoltés. Il peut favoriser à travers sa liberté d'expression une tendance à l'insoumission, à l'insolence, pire, à la contradiction de l'esprit de sérieux, rempart fortifié, protégeant les idées fixes des populistes au pouvoir. Un pays sain doit éloigner ses habitants de ce que les nazis passé maître dans la pureté des idées nommée l'art dégénéré. Pour répondre à ces partisans de l'utile, ennemis de tout subventionnement des artistes, il serait facile de leur rappeler que sans l'aide de Louis XIV, ni Molière, ni Racine, ni Lully n'auraient pu représenter leur œuvre, et de leur demander si Botticelli, Dante ou Michelangelo auraient mené à bien leur chef-d'œuvre sans la protection des Médicis. Et si les 800 florins annuels que recevait Mozart de l'empereur Joseph II afin qu'il puisse composer en toute tranquillité n'ont pas contribué à la naissance de nombreux opéras. Chanterions-nous aujourd'hui les délicieuses mélodies de la Belle Hélène ou de la Vie parisienne d'Offenbach si cet Offenbach n'avait pas été soutenu par de constantes commandes de Napoléon III? Je m'arrête là, mais la liste est longue de tous ces créateurs qui, sans les deniers du prince ou ceux de l'État, se seraient fanés dans la misère. Mais à quoi bon argumenter du bien fondé d'une politique de soutien à la création qui favorise le rayonnement du pays et permet d'amortir largement son investissement en citant des artistes face à des gens obnubilés par l'économie rentable qui ignorent probablement jusqu'à leur nom? Passons-nous donc sur le terrain, sur leur terrain, celui de l'utile, de l'efficacité et de la rentabilité. Savent-ils qu'en Europe, et plus particulièrement en France, plus d'hommes et de femmes travaillent dans la culture que dans l'industrie automobile, équipementier compris, qu'il y a plus de spectateurs chaque année dans les théâtres que dans les stades de football,
que si des millions de personnes venues du monde entier accourent chaque année en Italie, ce n'est pas pour analyser le système bancaire transalpin, mais pour visiter le palais des Doges à Venise, la galerie des Offices à Florence ou les ruines de Pompéi. Il en va de même pour Londres, Paris et Amsterdam, où des foules se pressent chaque jour à l'entrée de la Tate Gallery, du musée du Louvre et du musée Rembrandt. C'est à Verdi, aux impressionnistes et à Picasso que l'Europe doit de s'enrichir avec la manne financière apportée par les millions de touristes. Edward Munch, Knut Hamsun, Edward Grieg ou Henrik Ibsen, sans parler de Jon Foss, n'ont-ils pas participé à la renommée mondiale de la Norvège autant que son pétrole et ses fjords? Je lis avec satisfaction dans un magazine français cette déclaration du plasticien norvégien Per Barclays. Comme la Norvège est riche et que le pays prodige de l'argent aux artistes, avec des bourses de résidence, des subventions, ces derniers sont plus libres, plus inventifs. Ils ne dépendent pas du commerce. Que serait la Russie sans Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, Tchaïkovski, Solzhenitsyn, Nureyev ou Kandinsky, qui ont révélé les tourments de l'âme slave et chanté la mélancolique immensité des steppes? Simplement le pays des tsars, du bolchevisme et de Vladimir Poutine. C'est trop peu. Jamais nous ne serions autant fascinés par ce pays géant s'il n'avait pas donné naissance à Tourguenieff ou à Pouchkine. Même s'il est dénigré par ceux-là même qui prônent l'inutilité de l'art, le culte de la nature est à son apogée en ce début du XXIe siècle. Beaucoup de ceux qui le célèbrent avouent préférer se promener dans une forêt de sapins que dans des galeries d'un musée, écouter le chant mélodieux du rossignol des montagnes ou le souffle d'un vent de mer qui se mêle au grondement des vagues qu'il soulève, plutôt que d'assister à un opéra. D'autres assurent qu'ils donneraient tous les films de Bergman ou de Fellini pour regarder une éruption du Stromboli. La nature, c'est le beau absolu, l'émotion pure, l'imaginaire du réel. L'art n'en est que la copie, une copie qui la déforme, l'amenuise. Une société sans culture serait donc possible si l'on remplaçait l'art par la contemplation de la nature. Les admirateurs de la beauté des fleuves, des cieux poudrés de nuages et de déserts à perte de vue oublient que ce n'est pas l'art qui copie la nature, mais la nature qui imite l'art. Les arbres étaient-ils beaux avant que Corot les ait peints? Si Monet n'avait pas dessiné ces nymphéas, qui connaîtrait aujourd'hui la beauté des nénuphars? Les compagnons de Charlemagne s'émerveillaient-ils au crépuscule devant l'astre solaire qui disparaissait en incendiant le ciel? Probablement pas. Il faudra attendre l'étoile de Turner pour saisir l'émouvant miracle de cette boule de feu qui se meurt dans la mer. Si Dante, Ronsard, Shakespeare, Musset ou Byron n'en avaient pas fait un poème, l'amour ne serait peut-être encore qu'une pulsion animale, une maladie de l'âme et non un chant désespéré ou lumineux qui rappelle que le cœur humain n'est pas seulement un morceau de viande fibreuse, mais le centre de la vie. Merci à Botticelli, Rubens, Courbet, Klimt, Modigliani, Egon Schiele, Helmut John et tant d'autres d'avoir arraché la nudité des mains des puritains qu'il a cachée comme une chose honteuse, voire obscène, et nous avoir dévoilé les charmes divins du corps humain. L'œuvre est faite par celui qui la regarde, disait Marcel Duchamp. La nature peut remercier tous ces artistes de l'avoir regardée et sublimée. Sans eux, elle ne serait peut-être restée qu'un tas de cailloux mélangés parfois à de la chlorophylle et des insectes où souvent il pleut. Si la société privée de toute culture, vidée de ses créateurs, a, comme on commence à le deviner, figure d'une vieille dame suffocante sur son tas d'or, qu'en serait-il de Dieu? Ce Dieu dont cette même société n'imagine pas un instant pouvoir se passer. À bien examiner la peinture et la sculpture religieuse, il n'est pas interdit de penser que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image, mais bien l'homme qui a voulu que Dieu lui ressemble. Le créateur du ciel et de la terre a été bien inspiré de créer à la suite des artistes sans lesquels il aurait bien eu du mal à exister, tout comme ses clones. La foudre de Zeus, l'Olympien, doit beaucoup à Homère. Sans les sculpteurs grecs qui accompagnèrent Alexandre le Grand jusqu'aux confins de l'Asie, Bouddha n'aurait jamais eu ce visage dont la sagesse et la douceur a séduit tant d'hommes et de femmes. Les icônes d'Andrei Rublev, célébrant un Christ grave et serein,
n'ont-ils pas aidé l'Église orthodoxe à rassembler ses fidèles? Sont-ce les évangiles, les bulles du pape ou la bouleversante Pietà de Michel-Ange, pleurant son fils mort qu'elle tient sur ses genoux, qui nous donne la foi? Ne cherchez pas Dieu dans les cieux, il se cache dans les mains des artistes. À quoi pensent-ils tous ceux qui espèrent une société sans culture? Se rendent-ils compte que ce Dieu qui leur est si nécessaire en sera absent, que la nature sera désacralisée, que des millions d'étrangers ne les visiteront plus, et qu'enfin et surtout, ni les enfants ni les adultes, privés de bibliothèques, ne rêveront plus qu'ils peuvent voler ou parler à tous les animaux? Et ces villes qu'ils habitent, que deviendront-elles? Un alignement de cubes percés de russes croisant à angle droit, géométrie architecturale équivalent à celle des élevages de poulets en batterie, d'un rendement inégalable quant à l'occupation des espaces. Rien d'inutile, ni corniche, ni balcon, ni parc, ni monument, ni évocation d'un passé glorieux qui pourrait entraîner l'édification d'une statue ou d'un bas-relief, ni cinéma, ni théâtre, dont la façade pourrait un instant nous entraîner vers une rêverie stérile qui ferait perdre un temps précieux à notre activité professionnelle. Pas de souvenirs gravés dans du marbre, pas de porcelaine, pas de mosaïque, ni hôtel décoré, rien dans les cimetières qui puisse, par un embellissement des tombes, adoucir le chagrin des familles et par là même les attirer vers la beauté des ornements et pourquoi pas leur donner par la suite goût à l'art. Utopie pessimiste, direz-vous? Souvenez-vous des cités construites par Staline ou Mussolini? Étions-nous si loin de ce que je viens de décrire? À la fin du 19e siècle, Victor Hugo écrivait: il y a deux choses dans un édifice, son visage et sa beauté. L'usage appartient à son propriétaire, sa beauté à tout le monde. Interdire la beauté, c'est voler le bien commun de l'humanité. Éradiquer l'art d'une ville au motif qu'il en diminue son fonctionnement équivaut à robotiser ses habitants, à les faire marcher au pas en suivant des itinéraires tracés par des raisonnements qui tuent la pensée. Savent-ils tous ces gens qui condamnent la digression, les chemins de traverse, l'envie de se perdre ailleurs, ceux, comme l'écrit Roland Topor, qui veulent vivre dans la marge pour ne pas mourir au milieu, qui creusent des galeries vers le ciel pour fuir une société à la morale définitive? Savent-ils que le langage qui sert à vanter leur idéologie matérialiste n'existerait pas sans l'art? Chaque mot est une création, la métaphore d'une idée, d'un sentiment, d'une joie ou d'un malheur. Le langage, après les gravures et dessins sur les parois des grottes, est la première œuvre d'art de l'humanité. La sonorité du verbe, l'harmonie de la phrase sont une musique que l'homme a composée dès qu'il a senti la nécessité de s'exprimer. Conscient que seul le charme d'une mélodie pouvait donner un sens aux idées qu'il voulait transmettre. Non seulement il n'y a pas de société possible sans art, mais il n'y a pas de vie possible sans création. Vivre, c'est créer. L'homme n'est pas naturel, il est culturel, sinon aujourd'hui nous habiterions dans les arbres et nous serions des fougères ou des termites, et jamais nous n'aurions construit les pyramides, Venise, le Taj Mahal, les cathédrales ou la Statue de la Liberté. Tous ceux qui ont supprimé l'art de leur pays, le remplaçant par un art officiel, servant leur politique, tous ces États totalitaires se sont écroulés, les uns après les autres, asphyxiés par manque d'idéal et d'inutilité. Je me souviens de ce détenu au fond de sa prison qui préférait qu'on lui supprime sa nourriture plutôt que ses livres. L'art est l'oxygène du peuple, sa réserve de rêves et d'utopie, son issue de secours qui lui permet d'échapper à une réalité qui devient définitive. C'est l'art qui agrandit l'existence, multiplie les horizons et n'en déplaise aux gens qui savent, est notre bien le plus précieux, le plus utile, car seul est utile ce qui est beau. Et à propos de beauté, si l'on pouvait épargner l'ayatollah Disney aux très jeunes enfants qui transforment leur cerveau en guimauve sucrée, et donc les éloigne pour plus tard définitivement de toute perception de l'art, serait un acte salutaire.
Disneyland, Disney World sont les McDonald's de la culture. Les enfants avant 7 ans, comme le savent les Japonais, sont des génies. Entourons-les donc de génies. Mozart, Renoir, Bacon, Picasso, ils seront à égalité avec leurs interlocuteurs. N'oublions pas cette phrase de Valéry, « L'homme de Gély est celui qui m'en donne ». Décréter qu'une société sans culture permettrait un développement plus intense de la technologie et favoriserait le progrès aboutirait à une régression effroyable de l'humanité. En très peu de temps, nous nous retrouverions une torche à la main, une mensue dans l'autre, habillée d'une peau de bête, au fin fond de nos cavernes dont les parois ne seraient même pas peintes de portraits d'animaux, ou pire encore, nous serions forcés de vivre dans des appartements identiques à celui de Donald Trump. Merci. Merci. Jean-Michel Ribes, thank you very much for this tribute to culture and art. We have time for a couple of questions from the audience. If there are anyone, just let me know. But just first, just to France are in the middle of a presidential campaign right now. What kind of the culture discussion does it take part? Is there any debate now about culture issues? The future president or the candidate don't speak about culture. No. Not now. Will it come? Sorry? Will it come later in the second round? I hope so. I'm not sure, but I hope so. But if they don't speak about culture, we will do it. We count on you. Is there any question from the audience here? You can take it in French or English or whatever. No. Again, thank you very much. We are just 7 minutes after the schedule. That's not bad when it comes to a French conference. So we welcome you out there to have a cup of coffee and be back here in 15 minutes. Thank you. Very nice.